fait déjà très chaud en cabine, il fera également très chaud sur la piste. Bienvenue à tous sur le Grand Prix, le circuit de Bahreïn, et commenté en ma compagnie par Marco. Bonjour Marco. Salut Maxime, salut à tous. Trois Grands Prix, trois victoires d'Oxide. C'est vrai que les supporters peuvent se lasser peut-être de cette suprématie du pilote Ferrari. Et en tout cas, on espère qu'on verra sur ce circuit où la chaleur régnera un nouveau vainqueur, n'est-ce pas Marco? Oui, on aimerait bien avoir un peu de changement parce que là, la suprématie d'Oxide commence un petit peu à lasser. Donc on espère que ça va changer sur ce circuit. Peut-être que Yoshiz sera capable de détrôner le maître des lieux, le maître en tout cas du moment. Qu'en est-il de la grille de départ? Oxid toujours en tête, hein, suivi de Yoshiz. En deuxième ligne, il y a Mostreet, après McLaren et Hamilton, suivi de Juan Max et Wham. McMartin et Charognard, 7e et 8e. Rosbif, 9e. Snipe, 10e. Et en dernière ligne, JLR Max. À noter l'absence d'imitation avec sa McLaren. Merci Marco, et nous allons maintenant nous diriger sur la piste. La grille de départ étant annoncée, nous allons voir les différents pilotes placés. Notamment Oxide, Yoshiz que l'on voit ici, Juan Max qui a chaussé les durs. Ah, c'était pour ça qu'il a fini 5e, on retrouve Mostreet en 3e position. En dur également. Avec la caméra embarquée d'Hamilton, le pilote belge. Ouais, mais bien là, est-ce qu'il va pouvoir terminer la course? Et enfin, Charognard, attention, les feux s'allument. Et le départ à l'extinction de ces mêmes feux. Et c'est parti pour Bahreïn. Alors que déjà, on voit l'accélération de Charognard, qui va beaucoup plus vite que Juan Max sur sa gauche. Le départ rapide de Juan Max. Mike Martin qui a dépassé Juan Max. Oula, ça a touché entre Wham et Hamilton. Ouh, pop, et attention, Hamilton, Wham, oula, qu'est-ce qui se passe? Ouh là 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 là. Et Hamilton qui essaie de passer tout le monde, pourquoi? Wham sort large et Charognard en profite. Mais Charognard est parti 8ème, il se retrouve 4ème maintenant. Grosse opération pour le pilote Lotus. Oui, 4 places. Il peut être content. Il va essayer de suivre pour le rythme des leaders, mais ça c'est compliqué. Oui, parce que pour l'instant, Oxide, Mostreet et Yoshiz mènent la course pour l'instant. Et Yoshiz qui a perdu sa 2ème place. Très mauvais départ pour le pilote Red Bull. Et Oxide qui a déjà pris la large, il a au moins, je pense, 2 secondes d'avance. D'autant plus que Mostreet sera en dur et risque de. Est en dur, pardon, il risque de ralentir Yoshiz. On retrouve l'autre pilote Red Bull, Juan Max. Hop, 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 ça glissait. Oh là là. Il a raté sur une épreuve, ça n'a pas loupé. Il n'est pas à l'aise avec les pneus durs. Oups là, il y a eu un contact. Ouh, ah, il oui. A touché. Ouh, il a touché Hamilton. Et là, on voit bien qu'il l'attend, le pilote mexicain. Là, sur la trajectoire. Ah ouais, tu penses qu'il aurait dû changer de trajectoire pour attendre? Bah, il aurait dû se mettre sur hors piste, enfin hors trajectoire plutôt, parce que là, on a pu voir les pilotes se décaler à la fin du virage, ça peut les... Et perturbé, du coup, il peut se rater au niveau du virage. D'accord. Alors là, on a bien vu qu'il repassait à la dernière place. On retrouve le replay de ce premier tour. Ah oui, effectivement, Hamilton, il a dû relaisser passer les autres pilotes. Caméra embarquée de Juan Max pour le départ. Ouh, il est tassé. Mac Martin qui tasse et Juan Max en hors piste. Ouais. Il l'emmène carrément, ce qui explique un peu son départ difficile. On retrouve Mostreet au tour numéro 2. Il y a 3 secondes de retard. Ouais. Difficile de dire comment un pilote pourra empêcher Oxide de remporter une 4ème course. Oh là là, Mostreet qui n'a pas très bien négocié ce virage, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on voit derrière que Charognard reprend la 3ème place. Ah oui, Yoshi n'est pas du tout une erreur. Pour l'instant, Charognard sur le podium. Oui. C'est incroyable de voir le pilote belge à ce niveau de la course.
en troisième position. Bon, c'est vrai qu'on est au deuxième tour. Comme Yoshi me semble de passer dans la distance. Mais il n'aura pas encore la possibilité d'activer son DRS, car nous sommes qu'au deuxième. Et Charanière sort large. Et il facilite le dépassement de Yoshi, qui est bien fini la poursuite de Mostrit et d'Oxid. Les trois pilotes se disputent pour l'instant la tête de la course. Et Marco, Oxid est bien le plus rapide. Parce que là, on a pu voir l'écart qu'il a creusé. Non, mais je disais ça déjà par rapport au temps. Ce qui vient le meilleur tour. Alors que Wab, le pilote brésilien, pilote revenant, est 5e, en espérant que cela puisse continuer de cette façon pour lui. Juan Max, toujours 9e, au tour numéro 4. On peut déjà voir que, à peine après 4 tours, alors que Wab a encore un souci technique apparemment. Alors ça, c'est l'abandon du soir. L'abandon de WAM. Encore un souci technique. Allez, les ingénieurs Ferrari sont en colère et WAM doit l'être encore beaucoup plus. Il peut y avoir confusion. C'est une habitude chez eux, on dirait. Alors Oxid n'a pas ses problèmes. Alors par contre, WAM n'est vraiment pas verni. On retrouve Hamilton maintenant. Et Juan Max. Et 7e, puisqu'il a passé Snipe tout à l'heure pendant l'accident, enfin du moins les problèmes techniques, juste la place de WAM. Et Hamilton, qui en profite pour dépasser Matt Martin. Matt Martin qui a fait une sortie de piste. Beaucoup de sorties de piste en ce début de course. Peut-être que les pilotes sont un peu gênés par cette chaleur étouffante. Peut-être aussi le sable qui doit se déposer sur la piste. On a pu voir Yoshi qui a répondu à Oxid en faisant le meilleur tour. Et Jaron Hunter qui reste toujours solide à l'avant. Il va avoir beaucoup de difficultés à suivre le trio tête, mais là il surprend. Alors que son numéro 10, Juan Max maintenant. Il va pouvoir profiter de l'erreur de Martin pour redoubler sur la gauche. Juan Max qui a vraiment fait un départ catastrophique et qui remonte petit à petit. Il avait emmené à cause de lui, il avait provoqué le tête à queue par d'Hamilton qui s'en est remis tout doucement, qui réalise sa remontée également. Mac Martin et qui profite à nouveau d'une sortie de Juan Max. Marco, est-ce que tu penses que la stratégie de Juan Max était si mauvaise que ça, ou c'est vraiment le début de course du pilote qui ne remonte pas à la hauteur? La stratégie, non, elle pouvait être bien, mais après, comme on a pu voir, la stratégie, elle a été elle a été foutue en l'air suite à son accident avec Hamilton. Il a dû l'attendre, du coup, c'est un petit peu chamboulé à sa course. Ouais. Il se retrouve 7e, alors il aurait dû être dans les 4 premiers. En tout cas, il vient de se faire passer par Mac Martin. Et là, il n'arrive pas à reprendre dessus. Oh là 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 là. Affligeant ce départ catastrophique du pilote mexicain. Qui n'est pas non plus le meilleur pilote sur le plateau. Mais qui là prouve qu'il a encore beaucoup de chemin à faire. Il n'a que 10 secondes d'avance sur Snipe. Et là, il est à quelques encablures de Mac Martin. Il va pouvoir activer le DRS, a priori. Mac Martin qui sort large. Et le DRS pour Juan Max. Il va pouvoir le dépasser au freinage. Attention, ça va être chaud au virage. Et les vibreurs, ça glisse et ça passe. Mac Martin qui a pas insisté, qui va peut-être essayer de le reprendre ici. Pouvoir aller chercher le DRS sur la... Oh là 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 là
puisqu'il est à 6 secondes d'avance sur les deux pilotes. Le pilote Williams, c'est le pilote Red Bull, alors qu'on voit Matt Martin qui va passer sur la droite. Va-t-il passer? Hop, 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 c'est magnifique! Très bien vu de la part de Matt Martin qui va pouvoir profiter un peu plus du DRS, je crois. Ouais. Très beau combat, on vient d'enchaîner 4-5 dépassements entre les deux pilotes. Donc il est toujours en tête. Oh, et ça passe pour un Max! Alors là, superbe! Alors là, franchement, beau dépassement. Il a freiné tard. Il a surpris Marc Martin. Il pensait pas qu'il allait revenir parce qu'il était assez loin. Ah, c'était bien vu de la part du pilote Red Bull. Mais peut-être un peu risqué. Il était à deux doigts de l'emporter dans son freinage. Mais là, la monoplace Red Bull reste très solide. Il a permis au pilote de procéder à ce magnifique dépassement. Et on voit Max qui semble déjà avoir pris un petit peu de distance sur Mac Martin. On voit qu'il va peut-être l'empêcher même d'activer son DRS. Il faut qu'il s'envole, le pilote mexicain. Mac Martin qui a fait une erreur au freinage, on l'a entendu, est un petit peu en sous-régime. Je crois que ce dépassement a sonné le glas. Et que la course ne sera plus la même maintenant pour les deux pilotes. On retrouve Hamilton au tour numéro 10. Et les pneus qui s'usent très très rapidement. Et là, il va peut-être falloir penser à aller rentrer au stand. Et là, il faudrait penser à changer les pneus. C'est encore un tour. Voire deux. Et Hamilton qui revient sur Charognard. Ouais, il a au moins de 3 secondes. Moins de 3 secondes, effectivement, de Charognard. Les deux pilotes belges. Alors que là, Hamilton a bloqué les roues. Hamilton, qui donc, je disais, n'a pas été verni par son accident avec Juan Max. Il tentait de le dépasser. Mais Juan Max a glissé sur un vibreur. Hamilton qui a pas eu... En premier tour, tranquille, il a dû rendre sa position au suite de son dépassement hors piste à voie, mais ensuite, l'accident avec Juan Max. Il est cinquième. Il s'est bien remobilisé. Et il s'est vite remis dans la course. Et il le faut aussi, il prétend en tout cas ramener beaucoup de points, alors qu'on l'a... Il rentre au stand, effectivement, ses pneumatiques ne le permettaient plus de reprendre beaucoup de temps sur Charognard. Oui, ça peut être une bonne stratégie, il remet les options, donc du coup il va pouvoir faire un tour déjà avec des pneus neufs, et pour reprendre du temps par rapport à Charognard. Alors que là, Marco, nous déplorons un nouvel abandon, un abandon du pilote Williams, Snipe, qui au 11e tour a vécu un début de course chaotique également, et qui a dû s'arrêter sur les bas-côtés de la piste. Il a dû remplir sa monoplace suite à une casse de boîte de vitesse. Alors, on ne parlait pas de Rosbif, mais Rosbif est 7e. Le pilote Lotus se faisait discret en début de course, mais là, au bénéfice de la stand de certains, il remonte à la 7e place. Alors qu'Hamilton a perdu sa 5e place. C'est Juan Max, il a récupéré Juan Max avec ses durs, va pouvoir tourner plus longtemps. Alors que là, nous sommes au tour 14 avec Charognard, qui est toujours quatrième. Oui, toujours quatrième, il ne s'est pas arrêté. Et là, sûrement Hamilton qui devra repasser devant lui lorsque Charognard fera son avant-stand. Ah bah, s'il ne s'est pas arrêté avec les pneus tendres, ça risque d'être très difficile maintenant. Et regardez, il y a déjà 40 secondes, si je ne me trompe pas, de retard sur Yoshiz. 40 secondes sur le trio de tête. Le trio de tête, là, qui se met vraiment à l'abri. Aucun des pilotes qui suivent le trio de tête ne sera capable, a priori, de revenir et d'empêcher l'un des trois pilotes de s'imposer à Bahreïn. Est-ce que Marco, pour toi, ce circuit de Bahreïn est très particulier?
Non, sans circuit, pour moi, c'est banal, quoi. Des lignes droites, c'est quelques deux, trois enchaînements rapides. Non, il est banal. Enfin, je trouve pas. Je sais pas quoi dire, quoi. Ouais. Il y a trois ou quatre grandes lignes droites, quelques virages lents, quelques virages rapides, et puis. C'est vrai qu'autant on avait vu la spécificité du circuit de Chine avec un premier virage en escargot, mais là on n'a pas vraiment un virage difficile à négocier. C'est peut-être le double gauche en montée là, mais on bloque souvent les roues. Mais Alors sinon, que pour là, ceux. Ah. ouais. On voit que Juan Mat n'a pas bloqué les roues puisqu'il vient de dépasser Charognard. Le Grand Prix de Bahreïn qui aurait pu être reporté, tout simplement, à cause de manifestations. Finalement, les organisateurs ont décidé que la course allait bien avoir lieu ce jour même. Rappelons qu'il s'agit bien d'un grand format, hein, que la course a déjà eu lieu. Par contre, vous suivrez en direct la course F1 avec Pic, Rémi et Flo. Pour le quatrième rendez-vous de la saison F1 dominée pour l'instant par Klaus Coco. Juan Max, quatrième, qui s'est toujours pas arrêté. Alors qu'on retrouve Mobstreet maintenant au quatrième tour. Mobstreet qui va sûrement s'arrêter. Il n'était qu'à 7 secondes finalement. Foxy n'a pas pris tant de temps que ça. Non, là, peut-être soit il a géré son avance, soit Mobstreet marchait vraiment bien avec ses primes. Alors que Yoshi's a copié Mobstreet en s'arrêtant également au même moment que lui. Est-ce que là tu penses pas justement que Yoshi's aurait pu tenter de durer un tour de plus pour reprendre l'avantage sur Mobstreet qui doit quand même le faire ralentir? Tu peux répéter ta question s'il te plaît? En fait, il se passe que Yoshi's, on l'a bien vu d'ailleurs sur les trois premières courses, est plus rapide que Mobstreet. Compte tenu oui. de la pneumatique utilisée par Mobstreet, je pensais justement qu'il allait ralentir Yoshi's. Donc Yoshi's aurait dû continuer un tour de plus pour pouvoir dépasser Mobstreet, au moins du moins tenter le tout pour le tout à ce moment-là. Oui et non, parce que Yoshi's avait des pneus, je pense, plus usés que Mobstreet. À moins qu'il était en prime lui aussi, ça, on l'a pas vu. Je crois qu'il est en option, donc. Option. Ouais. Ouais, donc non, je pense pas que ça aurait été une bonne idée parce que Mobstreet aurait pu faire un tour avec des pneus neufs, alors que Yoshi aurait pu faire un tour avec des pneus usés, il aurait perdu plus de temps. Donc là, ils sont à armes égales. Merci Marco pour cette brillante analyse. Nous profitons de ton expertise en tout cas depuis le début de la saison. Alors que Mobstreet a 24 secondes de retard sur Oxide. Et Yoshi's qui suit toujours un pilote et qui n'a pas vraiment eu la possibilité depuis le début de la saison de dominer les courses. Et c'est bien dommage à lui. Allez, Yoshi's peut-être sur la ligne droite. Non, il est trop loin pour le DRS. Reste en freinage comme il a fait son coéquipier tout à l'heure sur McMartin. Ah oui, effectivement. Ah, il a tenté le tout non. pour le tout, mais là, ça n'est pas passé. Il était peut-être un petit peu trop loin. Là. Et Yoshi, qui traîne encore une fois comme un boulet, un départ vraiment pas du tout satisfaisant, alors qu'il était deuxième, il n'a pas vraiment assuré le départ. Il a patiné, il a perdu très rapidement cette deuxième place. Et là, il perd beaucoup de temps, alors que Oxide s'est arrêté. Oui. Il s'est arrêté, il a 6 secondes 4 maintenant, donc si Yoshi il aurait fait un tour de plus, il aurait perdu une seconde par rapport à Mobstreet. Ouais, effectivement, c'est vrai que quand il s'est arrêté, il avait 7 secondes de retard sur Oxide. Finalement, il fallait bien s'arrêter comme au moment des deux pilotes, pilote McLaren, Mobstreet et le pilote Red Bull Yoshi, qui reviennent gentiment sur Oxide. Alors qu'à l'arrière, la bataille fait rage entre Charognard et Juan Max. Hamilton est toujours là. Rosberg également.
Mac Martin, JLR Max, mais devant, Oxide, Mostrid et Yoshiz dominent largement cette course. Alors que nous sommes à la fin du 17e tour. Là, Yoshiz qui est assez proche. Mais attendez, là, Marco, Mostrid te laisse carrément passer, non? Oui, il se décale, il se met à l'intérieur du virage. Ah, c'est vraiment très très bien joué. Oh, pop, pop, attention, oh là, 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 oui. Oh, c'était chaud. Il était sur les Marvel. Les... Oh là, mais attendez, là, Yoshiz qui se libère complètement maintenant. Hein. Il peut appuyer sur l'accélérateur. Alors, ah, là, il a mis en il a un boulevard. Ah bah là, c'est vrai qu'il doit vraiment recommencer sa remontée. Et déjà, il prend une seconde d'avance, il se met à l'abri d'un potentiel DRS. Juan Max est déjà bien trop loin, à plus de 30 secondes. Yoshiz qui est parti pour remonter, on l'espère en tout cas pour lui, sur le pilote Ferrari Oxide, qui sera le seul à pouvoir ramener des points, en tout cas à son écurie italienne, suite à l'abandon malheureux de WAM. Il va falloir suivre la remontée de Yoshiz de très près. En tout cas, il devra très vite se débarrasser des pilotes retardés, plutôt retardataires, à qui il va devoir prendre un tour. Et là, on voit que le pilote juste devant, on ne sait pas qui c'est, a laissé passer Yoshiz. Sans problème. Alors qu'on retrouve Hamilton au tour 21, et Oxide qui réalise le meilleur temps maintenant. Marco, là je constate que Hamilton est repassé devant Juan Max. Oui, il est devant, parce que comme tout à l'heure on disait avec Mostrid et Yoshiz, vu qu'il a pu faire pas mal de tours avec les options 9, il a dû reprendre pas mal de temps sur Max, sur Juan Max, qui était avec les pneus primes usés. Alors que là on le voit rentrer au stand. D'accord, effectivement. Juan Max va pouvoir profiter de l'arrêt au stand du pilote Mercedes. La Mercedes. Notons également que pas mal le deuxième pilote. Pardon, excuse-moi Marco, je t'ai coupé. Ce n'est rien, vas-y. J'avais fini de toute façon. Le pilote de Mercedes, deuxième pilote Mercedes, Goa, est encore absent sur le Grand Prix de Bahreïn. Et on m'annonce qu'il sera de retour la semaine prochaine à Barcelone. C'est une très bonne nouvelle pour les pilotes Mercedes, pour l'écurie. Qui pour l'instant ne veut pas ramener beaucoup de points. Alors que Charronnière est dépassé par Hamilton. Ah, le pilote belge est-il en train de payer très très cher son début de course exceptionnel. Il a peut-être trop donné, tout donné sur ce début de course. Et là, on le voit faiblir un peu, puisque maintenant il est dépassé par Hamilton. Et il est poursuivi par Mac Martin. Et Mac Martin est à plus de 40 secondes. Oui, donc derrière, c'est un retardataire. Ou peut-être Oxide, ouais. On le saura très vite, de toute façon. Oxide est tellement rapide qu'il n'aura pas trop de soucis à revenir sur les deux pilotes qui sont juste devant lui. On voit déjà que la différence entre les pneus frais de Hamilton et les pneus plus usés de Charronnière fait un petit peu la différence. Ils étaient tout à l'heure collés, là il y a déjà une seconde d'écart entre les deux. Charronnière 6ème, 5ème Hamilton, Juan Max le pilote mexicain est 4ème et Oxide qui domine toujours la course, mais on me glisse dans l'oreillette que Yoshiz se rapproche gentiment du pilote Oxide, et ça c'est une bonne nouvelle pour l'écurie autrichienne qui veut absolument mettre un terme à cette série déconcertante de victoire d'Oxide qui domine outrageusement ce début de championnat. Charronnière qui voit Hamilton le distancer puisque maintenant 1 seconde 5 sépare les deux pilotes belges. Oui, la différence de monoplace et de gomme se fait ressentir. Alors que Yoshiz enchaîne les meilleurs tours. Ah bah là on sent qu'il est complètement libéré, hein. Ça devait bouillir derrière dans son casque. Là, il peut mettre toute la puissance de sa Red Bull à fond, là. Il peut en profiter. Personne ne pourra en gêner.
avec la caméra embarquée de Charles Rignard. Et on passe à nouveau au tour 31 maintenant avec Juan Max, dont les pneus sont quand même déjà bien, bien abîmés. Ah oui, effectivement, est-ce que ça peut jouer sur la performance de la voiture, de la monoplace? Oui, ça peut un petit peu baisser la puissance du moteur, mais c'est moins de... moins de réaccélération. Juan Max, il s'est donc arrêté, je n'ai pas vu, c'est pour chausser les options. Il fera encore un arrêt de plus. Hamilton qui vient de passer Juan Max. Charles Rignard qui est à 25 secondes du pilote mexicain. Charles Rignard qui s'est arrêté. Tout à l'heure, on n'a pas vu en image, mais Juan Max a frôlé l'abandon. C'est dommage que le réalisateur ne nous ait pas permis de revoir cet incident. C'était à ce même niveau du circuit. Il a glissé sur un vibreur et est allé s'encastrer contre un mur. Mais toute étonnant, cela puisse paraître. Il n'y a pas eu un seul débris par la suite, pas un seul dégât sur la monoplace. C'est dire que le pilote mexicain a eu beaucoup de chance. Plus de peur que de mal pour Juan Max. Exactement. Parce que là, franchement... il s'en est sorti indemne, mais c'était incroyable. Un choc dommage, incroyable. Dommage que le réalisateur ne nous l'ait pas montré. Hamilton qui domine maintenant, qui devance de 3 secondes Juan Max. Juan Max pardon, qui est déjà revenu au contact d'Hamilton. Alors que nous sommes au tour 34. Et Hamilton qui devance juste d'une petite seconde Juan Max. Motstreet qui est troisième. Et là maintenant je crois qu'il n'y a plus que deux pilotes capables de remporter la course, puisqu'il s'agit bien d'Oxide et Yoshiz qui ont vraiment devancé, qui ont vraiment maintenant distancé irrémédiablement le pilote Motstreet, le pilote McLaren, qui est également tout seul pour défendre les intérêts de l'écurie britannique. Hamilton étant absent une nouvelle fois. Juan Max qui devrait en profiter du DRS à la prochaine ligne droite pour dépasser Hamilton, à moins qu'il tente, comme tout à l'heure, à l'intérieur. Il va rester sage et attendre la ligne droite. Les deux pilotes qui se retrouvent maintenant, respectivement 4e et 5e, et qui au début avaient connu un peu le même départ. Départ très très difficile, et on voit bien maintenant que Juan Max en profite pour dépasser Hamilton. Et c'est reparti pour le pilote Red Bull, qui s'est quand même bien ressaisi. Oui, Juan Max qui a il est, je pense, à la place qu'il devait être depuis le début. Est-ce que tu penses qu'il aurait pu côtoyer le pilote McLaren? Peut-être. Le titiller pendant cette course? Il aurait peut-être pu se battre pour la troisième place de la course. Enfin là... On voit quand même qu'il perd toujours un peu de temps sur Motstreet. Motstreet était quand même bien plus rapide aujourd'hui. Charles Rignard, 6e. À l'arrière, on retrouve Mac Martin, Rosbif et JLR Max, le pilote Sauber, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui a une belle occasion de marquer beaucoup de points, comme il l'a fait à Shanghai. J'ai l'Armax qui fait ses courses tranquillement. Il apprend à contrôler sa monoplace. Doucement, il s'améliore.
Est-ce que ce serait pas lui justement qui est juste devant? On le saura pas puisque Hamilton rentre au stand. C'est vrai que c'était un pari sur l'avenir pris par l'écurie suisse. Gilles Max, un pilote spécialisé sur les rallyes notamment, et qui a fait ses grands débuts en GP2. Alors que nous sommes au tour 50 avec Juan Max, qui devance Hamilton et qui poursuit Mosrit, et là qu'il devance de 28 secondes. Il a une minute de retard sur Mosrit. Alors là, Marco, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez voir sur la gauche de l'écran, il y a une petite carte. Juan Max a donc pris un tour de retard sur le pilote, son coéquipier, Yoshiz, et sur Oxide. Et sur la petite carte que vous avez tous à la gauche de votre écran, on peut voir les deux pilotes juste devant Juan Max qui se livrent une bataille gigantesque. Et c'est vrai que là, Yoshiz est juste derrière Oxide. C'est incroyable! Il est bien remonté, il était à 7 secondes tout à l'heure. Elle est revenue tout doucement, dixième après dixième. Et là, il doit être à une seconde à peu près d'Oxide. Ah, c'est vrai que nous regretterons de ne pas pouvoir suivre cette bataille en image. Oui, moi j'ai eu quelques informations et on devrait avoir la caméra embarquée de Yoshiz à partir du Grand Prix de Monaco. Et voilà une très très bonne nouvelle que tu m'annonces là, effectivement. Et là, nous sommes directement au 57e tour, le dernier tour de la course. Oxide qui domine Yoshiz. Mais est-ce qu'il va pouvoir tout donner? Un coup de poker. Il faut qu'il donne tout dans ce dernier tour. Il peut espérer également l'erreur d'Oxide. Mais bon, comment espérer une erreur d'un pilote qui a déjà gagné 3 grands prix? Au même titre que son homologue Ferrari en F1, Fuscoco qui domine également sa catégorie. Les pilotes Ferrari sont indéboulonnables en ce début de saison. Et c'est gagné pour Oxide qui devance d'une seconde Yoshiz. Et superbe victoire, une quatrième victoire. Ah, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Une quatrième de suite pour le pilote Ferrari. Il prend les larges. Yoshiz doit être assez frustré dans son casque d'avoir perdu autant de temps bloqué derrière la McLaren de Mosrit. Ah bah c'est vrai que quand on avait, enfin il avait bien 10 secondes de retard déjà quand il a réussi à reprendre l'avantage sur Mosrit. Et tout le temps qu'il a perdu, c'est 10 secondes précieuses qui en termine également. Et Marco Oxide, alors, une nouvelle fois vainqueur devant Yoshiz. Oui, Oxide encore vainqueur, une quatrième fois sur 4 Grands Prix. Il devance Yoshiz d'une seconde 4, donc vraiment de rien du tout, surtout que Yoshiz était à 7 secondes. Au pied de la dernière marche du podium, il y a Mosrit avec sa McLaren pardon, à 42 secondes. Ensuite, à un tour, il y a Juan Max avec la Red Bull. Qui a eu un départ compliqué. Hamilton également. Parce que Marco, on voit bien que les 3 premiers pilotes de la course ont vraiment ultra dominé puisqu'ils ont pris un tour à tous les autres. Oui, ils étaient vraiment sur notre planète. Ils roulaient plus vite que tout le monde et ça s'est vu. Donc j'étais Hamilton qui finit 5e avec sa Mercedes, devant son compatriote belge Charles Rognard. Suivi de Mac Martin, Rosbif, JLR Max et les abandons de Snipe et de Wam. Passons dorénavant au classement pilote, Marco. Donc oui, classement pilote. Donc en première place, Oxide hein, qui est sur 4 victoires consécutives en autant de Grands Prix. Suivi de Yoshiz, deuxième, qui est sur 4 secondes places en autant de Grands Prix. Mosrit, troisième avec 57 points. Suivi de Juan Max, le deuxième pilote Red Bull avec 44 points. Il a un peu moins du double de points que son coéquipier. Suivi de Hamilton et Emil Station qui est absent depuis 2 Grands Prix. Charles Rognard, la première Lotus, 7e avec 22 points. Suivi de Mac Martin avec 18 points. Rosbif
19e avec 9 points. Goa qui est absent encore depuis 3 Grands Prix est 10e avec 6 points, suivi de Gilard Max 11e. Wam qui a que 2 points mis en Australie, qui est sur 3 abandons consécutifs, et Ezekiel avec un seul point, 13e. Merci Marco. Et Yoshiz n'a pas encore gagné. 4 victoires pour Oxide, 2 deuxième places pour le Polydor de ce championnat GP2. Mais en attendant, Red Bull reste en tête du classement constructeur avec 116 points. Il devance les Ferrari qui malheureusement ne peuvent pas profiter des points que WAM mériterait vraiment au vu de ses performances de la saison passée. McLaren suit à la 3e position. Mercedes à la 4e. Ensuite, l'écurie Lotus de Charognard et de Rosbif. Enfin, les Williams en 6e position et les Sauber en 7e position. J'allais oublier. Les Force India qui terminent et qui clôturent le classement avec un petit point glané par le pilote polonais Ezekiel en Malaisie. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce Grand Prix. Il a fait très chaud, Marco, aujourd'hui. Oui, une chaleur étouffante pour les pilotes. Ils ont dû s'hydrater comme ils pouvaient avec leur combinaison. C'est très compliqué de piloter sous cette chaleur et ce soleil tapant. En tout cas, cela n'a pas vraiment gêné Oxide, toujours aussi dominateur. Et on verra à Barcelone avec le Grand Prix la vidéo qui sera à nouveau réalisée par Sébastien, qui vous proposera un nouveau format qui sera très très intéressant. Vous le verrez, ce sera une belle surprise. En attendant, on vous dit à très bientôt. Merci Marco. Mais de rien, Max, à la prochaine. Allez, salut à tous. Ciao.